Bienvenue dans le nouvel épisode du coup d'envoi chaud. Pour ce troisième épisode, nous recevons Hugo Bretagne. Bonjour Hugo. Bonjour Ange, merci de m'accueillir sur votre plateau et j'espère qu'on va passer un bon moment. Bah écoutez, on va passer un très bon moment ensemble. Hugo, vous avez 17 ans, vous êtes milieu, vous jouez un petit peu partout au milieu, mais plus box to box on va dire, à la JOCR, en U17 Nationaux. Déjà, est-ce que la saison se passe bien Je vois que vous êtes blessé. Qu est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu votre blessure Alors, euh, la saison se passe très bien. J'ai fait toute l'année titulaire en, en 17 NAS. J'ai fait quelques entraînements avec les pros et en 19. Et euh, malheureusement, ma saison s'est finie mercredi dernier sur un choc à l'entraînement où je suis retombé sur le poignet et je suis hors d'une opération. Mon opération s'est bien passée Très, très bien. Merci à vous, Hugo. Vous avez commencé le football à Château dans le 78. Comment est née cette passion pour le football bah, Très tôt, euh, mon frère a, il a 4 ans de plus que moi. Du coup, je le suivais sur les terrains. Et sur le côté, je jouais, je jouais, je jouais. Et mes parents m'ont inscrit à l'âge de 5 ans. Et après, je suis plus, plus jamais parti des terrains. Donc, vous avez fait quelques années à Château. Il y avait immédiatement quelque chose en plus. Vous étiez directement surclassé, et même là, vous étiez au-dessus de tout le monde. Comment est-ce que vous vous rendiez compte déjà à ce moment-là euh, Pour être honnête avec vous, en débutant, je m'en rendais pas compte dès le début. C'est après quand tout le monde voulait que je sois dans, dans leur équipe. Et euh, ensuite, euh, en U9, j'ai été directement surclassé en U11 avec euh, mon ami Angelo Lopez que vous connaissez très bien. Rassureur Angelo, qui est chroniqueur chez les réservistes. C'est ça. Donc... Et, euh, et ensuite, bah, j'étais surclassé dans toutes les équipes et, et j'étais au-dessus parce que, parce que je, je, je travaillais dur à l'entraînement, j'étais vraiment un passionné. Et ensuite, bah, ça s'est fait tout seul. Hein. Il y mais... avait quand même ce talent aussi, il y a beaucoup de travail, mais il y a quand même cette, cette chose en plus. Oui, sûrement, parce que j'étais surclassé dans toutes les équipes. À tous les matchs marqués, je crois, il y a une saison où j'étais en U10, et joué avec Lyon. j'ai dû mettre 40 buts ou un truc, un truc comme c ça. C'était vraiment une, une grosse saison. Ouais, mais Château, c'était vraiment les, les, les belles années. Les belles années, Donc, ouais. les premières années également. On a un ancien coéquipier à vous, Hugo, qui jouait avec vous à Château, qui a une petite question pour vous, on regarde tout de suite. Salut, le coup d'envoi chaud. Hugo, j'ai une petite question à te poser. On va te montrer une photo et tu vas nous dire quel souvenir ça te remémore. Voilà, C'était Angelo Lopez que vous connaissez bien, qui est également euh, chroniqueur chez les réservistes. Est-ce qu'on ne montrerait pas cette petite photo Regardez ça tout de suite. Alors, <laughs> quel souvenir avez-vous de, de cette photo C'était à Château C'était à Château au tournoi de Montesson, où je crois qu'on perd en demi-finale ou en quart de finale au tir au but, où on voit Angelo Lopez euh, en bas. Et là, j'étais en U9, mais j'étais surclassé avec les U11 donc déjà quelque chose en plus quelque... sûrement parce que même là je faisais de grandes différences alors que j'avais deux ans de moins et, euh, et cette année-là était vraiment une très 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 belle année avec une très belle équipe malheureusement nous n'avons pas gagné aucun trophée nous avons perdu en demi-finale de la coupe des Yvelines et mais c'était une très très belle année donc quel souvenir gardez-vous alors de de ce passage à Château vous restez quand même six ans là-bas six ans mais là-bas et... Tout le monde me, me connaissait parce que j'étais tout le temps sur les terrains. Quand ce n'était pas avec mon frère, j'allais voir mon père. Château, ça restera à vie mon club de cœur et j'espère que je les rendrai fiers. Une famille passionnée de football, si on, si on peut dire. À la suite de cela, vous signez au Paris Saint-Germain à l'âge de 12 ans. Comment s'est passée cette signature Alors, c'était euh, bah, à Château où je me suis fait repérer à, au tournoi du Pec en, en U11, ouais, U11. On gagne 2-0 et, et je mets deux buts. L'entraîneur le, du PSG allait voir directement mon, mon père, lui a dit d'appeler pour que je fasse les détections. J'ai appelé et j'ai fait les détections. Et normalement, il y avait trois tours de détection. Et au premier tour direct, j'ai été pris j'ai intégré le PSG. À ce moment-là, est-ce que vous étiez déjà milieu de terrain Parce qu'on sait que on commence premièrement, c'est 7, puis 9, puis 11. Quand vous étiez sur petit terrain, vous étiez quel poste Sur petit terrain, moi j'étais tout seul au milieu. Numéro 10, mais au PSG, j'ai évolué partout parce qu'ils m'ont recruté en tant que latéral droit. D'accord, oui. Latéral droit. Plus défensif. ouais c'est ça. Parce que aux détections, ils vous savez, c'est des postes au hasard. Ils m'ont mis latéral droit et j'avais bien joué. Du coup, c'est resté. Ensuite, euh, je suis revenu au milieu. Et en U13, U13 ouais, j'ai fait un peu tous les postes. J'ai joué derrière, en attaque, sur les côtés. En U13, j'ai fait vraiment tous les postes. Et après, U14, U15, je suis repassé au milieu. Parce que c'est là que ouais. j'aime évoluer. Hugo, vous êtes plus un, un milieu box-to-box, -box, aussi relayeur, donc vraiment tout le milieu de terrain. On a une petite compilation de, de vos plus belles actions qu'on va regarder tout de suite. Alors voilà Hugo, quelques compilations, on voit de, de très beaux gestes. Qu'est-ce que cela vous fait de voir ces actions bah ça, ça fait toujours plaisir de, de se revoir, même si ça c'est juste des, petits, des petites actions de match. Mais moi je suis beaucoup plus dur avec moi et je regarde vraiment tous mes matchs, je les re-regarde et le, tout ce qui est bon. Euh, vous êtes et, vraiment dans l'analyse Oui, voilà, tout ce qui est bon c'est bien, mais je cherche vraiment à m'améliorer sur tout ce, qui est, tout ce, tout ce que j'ai mal fait dans le match, les contrôles ratés. Je suis vraiment dur avec moi. Donc, euh, milieu de terrain au PSG. Que retenez-vous de, de votre passage au Paris Saint-Germain Alors, euh, les trois premières années, c'était magnifique. En U12, on faisait des tournois magnifiques. On avait une équipe de. vraiment une, une bande de, de copains. En U13, c'était un peu plus différent parce qu'il y avait beaucoup. Euh, tout le monde voulait signer en préfaux. Donc, c'était beaucoup euh, individuel. Un beaucoup de jalousie aussi. Ouais, voilà. Mais c'était une très, très belle année. Comment hein. avez-vous vécu ce, ce moment où on sent vraiment plus de la compétition que, euh, que cette bande de copains en U12 bah, Moi, pour être honnête avec vous, je l'ai bien vécu parce qu'à l'entraînement, il y avait toujours une bonne ambiance. C'est sur les matchs où il où y en a qui, qui jouaient un peu plus pour eux, et alors que moi, je jouais pour eux aussi. Mais là, j'aurais peut-être dû faire l'égoïste aussi, de jouer pour moi et pas pour eux. Mais après, c'est le football. Moi, je, mon style de jeu, c'est de faire jouer les autres. Mais bon. Cela vous a forcément servi aussi pour la suite Oui Oui, ça m'a servi pour la suite parce que. Même maintenant, je trouve que je, suis un, je joue un peu trop euh, collectif et des fois, je devrais être un, un peu plus égoïste. Mais un peu à l'image d'un Marco Verratti au Paris Saint-Germain, qui exact ne fera pas assez. Ce que exactement, vous... c'est exactement ce que mes coachs me disent, que je dois prendre des risques, frapper et, parce que j'ai une grosse frappe et mais. Justement, quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts d'après vous Mes qualités, moi, je dirais ma technique, parce qu'au PSG, on a vraiment travaillé la technique et. Du coup, tout ce qui est. Je suis très très propre dans mon jeu. J'ai un gelon très très. Un bon gelon Ensuite, euh, mes défauts. Je dirais que manque d'agressivité un peu. Et euh... Depuis tout petit aussi, cette. Oui, ce oui, manque oui, agressivité. Ouais. Sur... Oui, oui. Parce qu'à Chatou, je... je défendais pas trop. Et après, là, comme je suis passé en 6, euh, j'ai dû défendre un peu plus. Mais ça commence à venir. Et... Ah, c'est des choses que vous corrigez au fur et à mesure. C'est ça, c'est ça. Ça commence à venir et. Il y, a, il y a des matchs où je récupère un, un nombre de ballons assez, assez conséquent. Donc, c'est une nette évolution. Et on a un ancien joueur, un ancien coéquipier à vous du, du Paris Saint-Germain qui a également une question pour vous. On va regarder tout de suite. Wesh, mon gars, Hugo, bon, là, j'ai une question à te poser. là, va falloir que tu répondes vraiment. Est-ce que tu as déjà fait un <laughs> ouais. peu, je mieux. On peut ouais. voir euh, Majid Diallo qui était votre coéquipier au Paris Saint-Germain. Alors, Hugo, qu'avez-vous à répondre euh... À a cette dit, question. M'a dit Diallo, très un très bon pote à moi dans la vie de tous les jours. Et euh, ouais, j'ai pris un petit bon par une fille qui s'appelle Camélia. On était en, <laughs> en, en plein match contre les féminines du PSG. Et elle m'a mis un petit bon. Et du coup, c'est resté cette anecdote. Ouais, tout le monde me, me charriait sur ça, mais bon. Ouais, c est, c est un de, petit détail. Bon, voilà, c'est bon vivant. Euh, à la suite de cela, pour vous quittez le Paris Saint-Germain, c'est en U15. Ça. Il y a une raison particulière, ça s'est mal passé. Vous parliez que les trois premières saisons étaient bonnes, mais que la dernière peut-être. En, en U15, j'ai vraiment pas aimé la philosophie du coach, donc euh, on comprenait pas sa philosophie de jeu, ou il nous demandait des, des trucs qu'on n'arrivait pas à faire, et du coup, il, il nous parlait mal, etc., etc. Du coup, euh, et moi, je voulais à tout prix signer dans un club pro, parce que là, j'étais au PSG, mais je n'étais pas dans le centre de formation. Donc dans l'association du ouais, Paris, c'est voilà, vraiment... ça. Donc ça servait un un peu à rien. Et euh, la dernière année, je n'ai vraiment pas apprécié parce que l'équipe ne s'entendait pas, il y, avait, il y avait des histoires bizarres. Et, du coup, je n'ai pas aimé cette année-là. Et même dans les résultats, ça se ressentait Oui, ça se ressentait. On, on jouait le maintien alors que normalement, on est le PSG, on ne doit pas jouer le maintien. Donc vous quittez le Paris Saint-Germain pour signer à Meudon en U17 DH. C'est ça. Tout d'abord, pourquoi ce club Est-ce que vous ne trouvez pas que vous avez régressé on va dire, au niveau du standing du club Parce que d'après vous, je crois que c'est le contraire. Me don, pourquoi ce club Parce que euh, on, a, on a eu des échos comme quoi c'était un très très bon club formateur avec des bons éducateurs. Et, et du coup, on est allé voir sur une détection. Ils m'ont dit que j'intégrais directement le groupe U17R1 alors que j'étais un 2002 donc je m'entraînerais avec les 2001. Et j'ai pas du tout régressé, au contraire, je me suis amélioré dans l'intensité de mon jeu, c'est-à-dire euh, l'agressivité parce que. Au PSG, les entraînements c'était mignon, ça jouait, aucun duel. Là c'était vraiment une autre, alors, une autre sphère Alors qu'à Meudon, ça se rentrait dans l'art et ils étaient, ils étaient prêts à tout pour gagner. Par exemple, un petit jeu à l'entraînement, ils sont prêts à tout. Du coup, j je, me suis, je me suis amélioré sur ce point-là. Vous réalisez une grosse saison avec Meudon. Comment la comment résumer cette saison Je pense que c'est le travail tout simplement. Je me suis remis en question après. Euh, mon année en U15 qui n'était pas très très bonne. C'est une une déception de quitter le, le Paris Saint-Germain. Une déception oui et non puisque oui pour les tout ce qui est tournoi, les infrastructures les équipements tout ça a été, était été merveilleux pour mes amis aussi puisqu'on était vraiment une bande de potes quand même et, et non parce que j'en j'en avais marre j'en avais marre du PSG c'était aucun club pro nous approchait j'ai décidé d'aller à à Meudon et cette saison j'ai fait une très très grosse saison avec un très gros début de saison. Ce qui m'a permis d'aller en test rapidement. Une sorte de tremplin aussi pour, euh, exact. pour, pour se, faire, si, se faire voir tout d'abord et puis signer dans un club professionnel. Si, euh, si je vous dis Angelo Bras Barges, qu'est-ce que vous me dites Un très très bon ami à moi aussi avec qui je jouais à, à Meudon et un très très bon joueur. Et bah, Il a une question également pour vous, on va regarder ça tout de suite. Bon, gros, Hugo. Mon gars, c'est un là. Il y a une question mon pote. La question c'est de l'année dernière on a joué ensemble, tout ça tu connais. faut que tu dises le meilleur moment qu'on a passé ensemble, t'as capté euh, Je vais te dire le mien. Moi, bon, en fait moi il y en a deux. Il y en a deux, on va dire deux. Hein. Il y a la SNAF, à Nantes là qu'on a fait avec Medon, chez le poteau Victor là. Quand on a joué à la play tout ça là. Quand on a joué, on a regardé Marseille, Atlético, la finale. Buna. Est-ce que ça dit quelque chose et bon après il y a quoi aussi Il y avait un autre tournoi quand on a joué contre Montpellier. Hein. Ah le défenseur gauche et mes bébés je crois. Gros envoie-moi là-bas, je vais le faire. Bon gros, j'attends ta réponse. Envoie-moi ta réponse et on va bien rigoler. Votre ancien coéquipier, Amedon, Angelo Bras, Barges, qu'avez-vous à lui répondre alors Bah Moi mes deux moments préférés de l'année. C'est vrai que c'est un peu, un peu comme lui. On a fait deux, deux très beaux tournois un qui s'appelle la snaf mondial cup qui était vraiment on était trois équipes amateurs le reste que des équipes professionnelles Vous avez et fait un bon tournoi à ce moment-là aussi euh, niveau football, on a on a bien joué, on n'a pas fait tâche, mais après on, on pêchait un peu dans la finition, du coup on gagnait pas les matchs et les équipes pro c'était des tueuses, du coup on a eu du mal, mais euh, on faisait vraiment pas tâche sur ce tournoi. Et euh, donc on était en, en famille d'accueil et j'étais avec lui. Et on a bien, bien, bien rigolé chez, chez notre famille d'accueil. Et ensuite, le deuxième tournoi, c'était au Sable de Lognes, où là, on remporte le tournoi, avec un très, très gros Angelo sur les quarts de finale, demi-finale. Et contre Montpellier, où il fait un très, très, très gros match aussi. Et le défenseur gauche avait un peu. Donc des bons souvenirs construit. aussi. Euh... Très, très bons souvenirs. Si je vous dis le 3 mars 2018, à quoi ça vous fait penser Ça me fait penser à la date où j'ai signé mon contrat avec Auxerre. Cette signature à la JOCR, comment s'est-elle passée d'ailleurs elle s'est passé tout simplement que il est venu le recruteur d'Auxerre est venu me voir un match contre contre Évry avec Meudon, où je fais un très très gros match et dès le mardi, j'ai reçu Beaucoup cette année hein. Beaucoup de gros matchs pour vous. Ouais. cette année au niveau football, je crois que c'était ma meilleure parce que j'ai vraiment effectué une grosse grosse année en étant en 2002, jouer avec les 2001, c'est vraiment c'est vraiment bien et à Evry où je fais un gros match et que le, le recruteur de est là et dès le mardi, j'ai reçu une invitation pour aller en essai là-bas. Donc du coup, ça a été concluant. Vous signez à la GSR. Comment s'est passée aussi l'intégration On sait que c'est parfois difficile de rentrer là, c'est vraiment une autre atmosphère, c'est un groupe professionnel, enfin, c'est une réserve de professionnels. Comment euh, comment s'est passée l'intégration On va dire que la la première semaine, c'était un peu dur, on pensait aux parents, à pourquoi on est là, mais je me suis je me suis vite euh, vite adapté. Et puis même, je connaissais, je connaissais du monde un peu. L'intégration s'est très, très bien passée. Vous avez d'autres clubs aussi euh, qui étaient intéressés par votre profil Oui, j'avais Valenciennes et Clermont-Ferrand. Et ça a été directement au CER pour vous Oui, parce que c'est eux qui ont fait une proposition en premier. Et avec, notre, avec ma famille, on a privilégié au CER. Vous parlez aussi de l'éloignement de votre famille. Ça a été dur au début. Qu'est-ce qui vous a fait euh, passer ce cap On sait que c'est toujours dur d'être loin de sa famille. Au début, c'était dur, mais euh, au fil du temps, on les appelle, ils nous encouragent. Et pour être honnête avec vous, au bout de deux jours, euh, je savais qu'il ne fallait pas que je prenne ça comme, euh, comme quelque chose qui me rend triste, mais comme une force. C'est quand même du positif de signer ouais, à la JOCR. C'était très positif. Et mon père n'arrêtait pas de me dire ouais, Tu sais pourquoi tu es là-bas, c'est ce que tu as toujours voulu de rêver de faire. Et, et voilà, du coup, ça ne m'a pas trop, pas trop dérangé, on va dire. Vous êtes en U17 nationaux. Vous êtes quatrième derrière le, le FC Lyon, l'Olympique Lonnais et Saint-Etienne. Sur le plan individuel, comment jugez-vous votre, votre saison avec la GOSR J'ai fait une très grosse première partie de saison avant les vacances de, de, de la Toussaint, où j'enchaînais, j'étais décisif. Un peu moins bien après les vacances de la Toussaint jusqu'à Noël, où euh, je me retrouvais pas trop dans mon jeu. Mais après les vacances de Noël, euh, j'ai redémarré fort et je pense avoir fait une, une bonne saison, même si je sais que je peux faire dix euh, fois mieux. Nous avons un coéquipier à vous, Hugo, qui est avec vous à la GOCR, qui a une question pour vous. On regarde tout de suite. Salut Hugo, mon gars, j'espère que tu vas bien. J'avais une question moi, pour toi, c'était avec tous les moments qu'on a passé à Reusé, lequel euh, tu retiens le plus, qui t'a fait le plus rire On a reconnu bien sûr Benjamin Hervé de la GOCR. Franchement, on peut le dire, vos hein, coéquipiers gardent quand même une très bonne image de vous. Oui, oui, Benjamin Hervé, c'est quelqu'un avec qui au centre, j'ai direct accroché, on a les mêmes délires. C'est vraiment mon, mon pote là-bas. Et j'ai fait un tournoi avec eux l'année dernière, où on était dans la même famille d'accueil. Et à un moment où, euh, qui m'a fait rire, c'est qu'on était avec notre famille d'accueil. Et il est tombé, il est tombé dans l'eau en faisant du canoë. Et ça, ça m'a bon, marqué. Bon, une belle anecdote aussi avec, euh, ouais. avec Benjamin. Pas mieux. Donc la saison terminée. Euh, L'année prochaine, vous êtes encore à la JOCR Oui, j'ai deux ans de contrat. Du coup, j'ai fini ma première année et il me reste un an de contrat. Du coup, c'est qu quoi les objectifs pour vous, Hugo Quelles sont vos ambitions, surtout, euh, dans votre jeune carrière pour l'instant de footballeur L'ambition, c'est de jouer au plus vite euh, en, équipe, euh, en équipe pro, de signer un contrat pro et l'équipe de France. L'équipe de France, justement, on va y venir. Est-ce que vous avez déjà été approché, une présélection, une pré-liste pour être honnête avec vous, je ne pense pas, parce que tous les joueurs qui sont en équipe de France, ce n'est pas un niveau au-dessus, mais ils évoluent dans, par exemple déjà en CFA, il y en a en 19, et pour l'instant, moi j'y vais doucement mais sûrement. Du coup, en 17, après peut-être que j'ai fait une présélection, mais franchement, je ne pense pas. C'est vraiment un rêve pour vous de l'équipe de France, bien sûr Tout, tout footballeur voudrait jouer pour l'équipe de son, de son pays. Il n'y a pas mieux de, pour jouer de son pays. On vous le souhaite, Hugo. Qu'est-ce qu'on peut d'ailleurs vous souhaiter pour, euh, pour la suite bah, jouer, De me rétablir vite déjà. Là, il y en et a pour un mois environ Un mois et plus euh, la plus rééducation, rééducation, tout ça. Donc, euh, ouais, me rétablir vite et faire une grosse saison l'année prochaine et jouer le plus vite en, en professionnel. Merci beaucoup, Hugo, d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag CES. N'hésitez pas à aller voir notre partenaire Bifoot également. Merci à tous de nous avoir suivis.